Le fouet a déchiré l'homme Dieu. Quand on a frappé l'amour innocent, on attendait ce jour-là que les pieds le prient. On attendait ce jour-là que les pieds le prient. Mais les pieds se sont tus, la colère s'est perdue. Mais les pierres se sont.
prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants, ni de subir le supplice de la croix. Lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Peuples et nations se sont ligués contre ton serviteur Jésus, ton Messie. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des maux que je rugis. Thank you.
de la lettre aux Hébreux. Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir. C'est par une tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas œuvre des mains, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci, et par le sang, non pas des boucs et des veaux, mais par son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. Car si le sang des boucs et des taureaux, et si la cendre de génisse répandue sur les êtres souillés les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Sa mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Car là où il y a testament, il est nécessaire que soit constatée la mort du testateur. Un testament ne devient valide qu'en cas de décès. Il n'a pas d'effet tant que le testateur est en vie. Aussi, la première alliance elle-même n'a-t-elle pas été inaugurée sans effusion de sang ? Lorsque Moïse eut proclamé à tout le peuple chaque commandement conformément à la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, puis de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'Alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Puis il aspergea aussi avec le sang la tente et tous les ustensiles du culte. Et c'est avec du sang que, d'après la loi, on purifie presque tout. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si donc les images de ce qui est dans les cieux sont purifiées par ces rites, il est nécessaire que les réalités célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices bien meilleurs. Ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme, simple copie du véritable, que Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas afin de s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors il aurait dû souffrir à plusieurs reprises depuis la fondation du monde. En fait, c'est une seule fois, à la fin des temps, qu'il a été manifesté pour abolir le péché par son propre sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, ainsi le Christ fut offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, et il apparaîtra une deuxième fois, sans plus de rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour le salut.
rédemption éternelle par ton sang. Jésus, sauveur du monde. Le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache. Il a offert sa vie en expiation. Il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Après les épreuves de son âme, il verra la lumière et sera comblé. Amis et compagnons se tiennent à distance. Corrige-moi sans colère et reprends-moi sans violence. Rien ne t'attend, mes sauveurs.
Sermon de Saint Léon le Grand pour la Passion. Le Seigneur est livré à ceux qui le haïssent. Pour insulter sa dignité royale, on l'oblige à porter lui-même l'instrument de son supplice. Ainsi s'accomplissait l'oracle du prophète Isaïe. Il a reçu sur ses épaules le pouvoir. En se chargeant ainsi du bois de la croix, de ce bois qu'il allait transformer en sceptre de sa force, c'était certes aux yeux des impies un grand sujet de dérision, mais pour les fidèles, un mystère étonnant. Le vainqueur glorieux du démon, l'adversaire tout-puissant des puissances du mal, présenté sur ses épaules, avec une patience invincible, le trophée de sa victoire, le signe du salut, à l'adoration de tous les peuples. Comme la foule allait avec Jésus au lieu du supplice, on rencontra un certain Simon de Cyrène, et on fit passer le bois de la croix des épaules du Seigneur sur les siennes. Ce transfert préfigurait la foi des nations, pour qui la croix du Christ devait devenir non un opprobre, mais une gloire. En vérité, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il s'est offert au Père en sacrifice nouveau et véritable de réconciliation, non dans le temple dont la dignité avait déjà pris fin, mais à l'extérieur et hors du camp, pour qu'à la place des victimes anciennes dont le mystère était aboli, une nouvelle victime fut présentée sur un nouvel autel, et que la croix du Christ fut cet autel, non plus du temple, mais du monde. Devant le Christ élevé en croix, il nous faut dépasser la représentation que s'en firent les impies et à qui fut destinée la parole de Moïse. Votre vie sera suspendue sous vos yeux et vous craindrez jour et nuit sans pouvoir croire à cette vie. Pour nous, accueillons d'un cœur libéré la gloire de la croix qui rayonne sur le monde. Pénétrons d'un regard éclairé par l'esprit de vérité le sens de la parole du Seigneur annonçant l'imminence de sa passion. C'est maintenant le jugement du monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Ô admirable puissance de la croix, ô gloire inexprimable de la passion, en elle apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. Oui, Seigneur, tu as tout attiré à toi. Alors que tu avais tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle, le monde entier comprit qu'il devait rendre gloire à ta majesté. Tu as tout attiré à toi, Seigneur, puisque le voile du temple déchiré, le Saint des Saints devenu béant,
La figure a fait place à la réalité. La prophétie à son accomplissement. La loi à l'évangile. Tu as tout attiré à toi, Seigneur, puisque la piété de toutes les nations célèbre partout, au vu et au su de tous, le mystère qui jusqu'alors était voilé sous des symboles dans un temple unique de Judée. Ta croix, ô Christ, est la source de toutes les bénédictions, la cause de toute grâce. Par elle, les croyants tirent de leur faiblesse la force, du mépris reçu la gloire, et de la mort la vie. Désormais, l'unique offrande de ton corps et de ton sang donne leur achèvement à tous les sacrifices, car tu es, ô Christ, le véritable agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. L'ensemble des mystères trouve en toi seul son sens plénier. Au lieu d'une multitude de victimes, il n'y a plus qu'un unique sacrifice. Ces hommes méprisés, ces femmes humiliées, ces enfants que tout rejette, ces meurtris, ces torturés, tous ces visages bafoués, Seigneur Jésus, c'est toi qui me regardes. Comme un surgeon, il grandit devant nous, comme une racine en terre aride. Il n'a ni beauté, ni éclat, homme des douleurs, rebut d'humanité. Mais ce sont nos souffrances qu'il porte, nos misères dont il est accablé. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris.
n'avez pas renoncé la malice, vous repoussez le calice. Toi, notre justice, Seigneur, prends pitié. Ils ont percé tes mains et tes pieds. Ils ont compté tous tes os. Ils ont regardé celui qu'ils ont transpercé. Partagez la souffrance, vous perpétuez l'offense. Toi, notre espérance, Seigneur, prends pitié. Ils ont percé tes mains et tes pieds. Ils ont compté tous tes os. Ils ont regardé celui qu'ils ont transpercé. Vous n'avez pas combattu pour ma gloire, vous avez laissé l'histoire. Toi, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la vérité.
Jésus, le Christ, nous a aimés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais la manière. Dans le cours des années, fais la manière. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de tes noms. Et le Saint du monde parle. Sa majesté couvre les cieux. Sa gloire emplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière. Le rayon sort de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il fait les pierres et les frontières. Il n'a pas le
Sagesse, soyons attentifs. Parole de Dieu du livre d'Isaïe. Gloire à toi, Seigneur. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. De même, devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Le Christ se fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Le Christ se fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Le Christ se fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Sur la croix fut écrite sa condamnation, Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi. Amour qui monte
Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur va reposer dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Levant les yeux vers le Fils de Dieu, mort sur la croix, vivant pour les siècles. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as lutté contre Satan. Tu as connu la soif et la faim. Tu as enduré la fatigue du chemin. Tu n'avais pas d'endroit où reposer ta tête. Tu as été rejeté par ton peuple. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as été abandonné par les tiens. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as fait la volonté du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Bénissons le Seigneur.